Je m'appelle Valérie, je travaille dans le carrelage depuis 3 ans. J'estime que le métier de carreleuse, c'est un beau métier. C'est des halls qui sont froids, donc nous allons faire une chape pour mettre du carrelage et ensuite nous allons mettre de la faïence pour habiller les murs, pour les rendre plus chaleureux. On fait un mortier. C'est du sable et du ciment, avec de l'eau qu'on mélange. Bon, les sacs de ciment avant étaient en 50 kg, mais maintenant ils ont adapté, donc ils ont fait en 25 kg. On fait peut-être plus de voyages, mais c'est un peu moins physique et je trouve que c'est bien. On a une bonne coordination et puis on s'entend bien. Vous avez le chef qui est Michael. Moi je suis une ouvrière en dessous. Et vous avez Philippe qui est un apprenti, qui commence, mais qui se débrouille bien aussi. Non. J'ai fait une formation en contrat de qualification, ce qui m'a permis de faire en alternance avec une entreprise pendant 2 ans. J'ai appris énormément de bases à l'école. Avoir un métier qui me plaît vraiment et pouvoir l'exercer, rien de mieux. Les frises qui se trouvent sur ces chantiers-là, c'est à nous de faire notre idée, à nous d'avoir une bonne créativité pour pouvoir faire de belles choses. Donc là, c'est minutieux. Et maintenant, avec le carrelage et la faïence, voilà ce qui est devenu un hall d'entrée. Quand on rentre, on voit de la gaieté, c'est plus appréciable. Autant pour nous que pour les gens qui rentrent chez eux. On voit qu'on est passé. On n'est pas venu pour rien.